Ta vie, plutôt dans la mer, des sorciers, et que tu priais pour que le Seigneur t'interpelle, tu sais, à un moment, je ne sais pas vraiment quelle décision prendre. Très bonne question. Du coup, mais parce que la manière dont vous allez répondre à cette question m'a interpellé. Ok. Ou pas avec un ou je ne sais pas. Ok. Celui qui n'aime pas, celui qui n'aime pas son frère, son prochain n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour. La base de l'amour, c'est quoi? What is the foundation of love? Knowing God. Connaître Dieu. Oui. La justice. C'est le pardon. Aimer son prochain comme la révélation. La mort. La base de l'amour, c'est la mort. Non. La mort quant à la chair. Voilà, c'est la croix. Oh. En fait, je vais encore aller plus loin. Qu'est-ce qui prouve que Dieu nous aime? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le meilleur. Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes là. C'est pour ça que ce matin, je vous disais la parole du Seigneur, aimer, c'est mourir. Quand vous êtes tombé amoureux, amoureuse, rappelez-vous. N'avez-vous pas ou n'avez-vous pas commencé à vous oublier un peu vous-même pour donner un peu plus à la personne que vous aimez? Que vous aimiez? Souviens-toi quand tu es tombée amoureuse, ma soeur, une fois. Tu pouvais même te priver pour donner à ton amoureux. On se perd de tout ça. Ah, t'as vu? En fait, c'est quoi? C'est la base de l'amour, c'est le sacrifice. C'est la mort. D'abord, la mort de Yeshua, la croix, et aussi, bien sûr, c'est la mort par rapport à tes propres besoins intérêts. Une mère qui aime son enfant et qui voit son enfant en train de mourir de faim, alors qu'il reste juste le dernier repas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner ce repas à son enfant et elle va de mourir de faim. On va prendre un passage dans Jean. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour le Seigneur? Jean chapitre. On va prendre 15 pour voir. Quelqu'un peut lire le verset 13? Waouh! Ça, j'aime bien quand les trucs commencent à donner le verset 13 comme ça. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Wow. Est-ce qu'on peut encore relire ça? Mais qui n'a jamais lu ce passage? Ça, c'est un des passages clés de l'amour, sur l'amour. On va prendre un deuxième passage là. Jean. Qui croit que Jean était là quand le Seigneur a parlé comme ça? D'accord. Ok. Jean 3, 16. Nous avons connu la charité en
ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. Waouh! Vous voyez, non? Donc, Jean dit que l'amour, en gros, consiste à donner sa vie, comme le Seigneur l'avait dit. C'est dur, c'est pour cela qu'on a du mal à aimer nos ennemis. C'est pour cela qu'on a du mal, on réagit parfois violemment quand nos mères, nos pères nous font du mal. Seigneur, délivre-nous parce qu'on n'est pas encore parfait dans l'amour. Une mère qui t'a porté pendant 9 mois. Qui a souffert? She suffered. Quand tu étais malade, when you were sick, bébé, as a baby, elle était là. She was right there. Il y en a qui ne sont pas là, c'est vrai. Some haven't been there. Quand tu as eu la diarrhée, quand tu as eu des maladies, tu as les enfants, ta maman, you know, elle t'a donné son lait. She gave you her milk. Elle s'est sacrifiée. She laid basically laid. Qu'elle soit sorcière, qu'elle soit magicienne, ok, j'adore. Elle était là. Elle était là. By your side. Quand tu apprenais à marcher, elle était là, ta mère. When you were how to walk. Quand tu marchais à quatre pattes, ta maman était là. When you was falling, she was right there. Moi, je n'ai pas vu la mienne et je regrette. Parce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire, que j'ai pas eu le temps de le faire. I could have done it, I didn't have time to do it. On est parfois très méchants. Oui, parfois peuvent être durs. Oui, parfois les pères peuvent être méchants. Mais ils ne sont pas tous éclairés, mais nous avons habitué l'éclairage. Oui, parfois ils peuvent nous rembarrer. Parfois même il y en a qui sont dans la sorcellerie. Mais qui aimerait voir sa mère brûler pendant les traités dans la lac de feu? Non. 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 Mais frère, comment faire? Tu n'as plus confiance, tu as peur. Non, mais je comprends. Tu as vite. Pouvoir faire ta part. En tant que sa fille, si tu peux la nourrir, continue à la nourrir. Tu comprends? Continue à la nourrir. Elle est sorcière, elle est sorcière. C'est pas un problème, tu prends l'argent, tu pries pour l'argent. Parce que quand tu étais dans son ventre là, hein, elle aurait pu te tuer, te manger, elle n'a pas fait. Même si elle a tenté, elle n'a pas réussi. C'est pas maintenant que tu es la fille du roi des rois qu'elle va pouvoir t'attaquer. Au contraire, par ton amour pour vis-à-vis d'elle, tu vas lui montrer que Jésus est plus fort que la sorcellerie et c'est comme ça qu'elle peut être sauvée. C'est pour cela que nos églises, avec des enseignements erronés, nous ont détruits. C'est pas comme si c'est une étrangère, c'est ta mère. Avec une étrangère, quelqu'un ou l'étranger peut dire bon, c'est pas grave, bon, ben, on se pardonne, je te pardonne, bon, ben, chacun fait sa route. Mais là, il y a un lien physique, biologique là. Vous comprenez? Un Timothée 5 nous dit que les enfants doivent rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Ça s'appelle la justice. Ça s'appelle être équilibré. Ça s'appelle être un enfant. Reste un enfant pour ta mère. Fais ta part d'enfant. Sois responsable vis-à-vis de ce que tu dois faire. C'est pas grave. Quand tu ne peux pas donner ce qu'elle te demande, donne un peu le moins. Elle te rembarque, c'est pas grave, maman. Je suis ton enfant, je t'aime toujours. Je continue à être responsable. À moins que Dieu te dise clairement, ne fais plus telle chose. Là, il n'y a pas de chose à passer, c'est pour un temps. Mais Dieu veut que nous soyons corrects avec nos parents. Moi, mes parents avaient leur caractère. Avec les peu de moyens que Dieu m'a donné, nous a donné, j'ai construit une maison. J'ai pris ma mère et mon père, je les ai mis là-dedans. Jusqu'à la fin de leur vie, ils m'ont béni. La justice. Oui, ils ont un caractère. Mais ils nous ont nourris. Nos amis n'étaient pas là.
And my mind doesn't. Quand on plante un arbre, n'est-ce pas, quand il est fruit, on vient maintenant pour cueillir. Et nos parents nous ont comme planté. Quand il est fruit, et ce sont les étrangers qui vont en bénéficier, et ceux qui ont planté là, ils ne vont pas en bénéficier. Ce n'est pas être chrétien, ça. Vous connaissez vos parents. Maintenant, vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être juste. C'est l'équilibre.